prochaine. La tentative d'évacuation de Dubaï est un échec. Les pertes, trop nombreuses. Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans ce 7ème épisode de Spec Ops The Line, où nous avons décidé d'évacuer Dubaï et de démettre notre ennemi de ses fonctions parce que... Voilà. La voie est libre, Walker. Alors préparez-vous, on y va. On va où ? Avant les tempêtes, Conrad avait besoin d'un poste de guet, un endroit d'où il pouvait voir tout Dubaï. Là, la plus grande tour de Dubaï. C'est là qu'on va. Burj Al Arab. C'est ça, le Burj Al Arab, dont je parlais quelques épisodes plus tôt. La première tour à faire plus d'un kilomètre de haut. No More Water, oui, si tu veux. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est l'inverse de ON. C'est 7,8, not enough water. Oui, j'étais en train de dire qu'on va démettre notre ennemi de ses fonctions. Ce qui s'est passé là-bas ? On a attiré l'attention de Conrad. De quoi tu veux parler ? Je t'avais jamais vu comme ça. Je vais bien, Adams. On peut plus partir après tout ce qu'on a vu. On quittera Dubaï seulement quand les survivants auront été évacués. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Je te fais confiance, Walker. Mais je suis pas d'accord. Alors, pas passer du tout. Pas d'accord de quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai tué les snipers, c'est ça le délire ? Je pense que c'était l'idée la plus intéressante, quand même. Sur un tuyau, j'ai fouillé des postes de soutien étrangers en ville. Il y avait des cadavres. Rien de neuf, sauf qu'ils avaient été exécutés et brûlés. J'ai aussi trouvé des passeports. Un seul était lisible. Zoé Strasberg, 29 ans. Une humanitaire allemande. On dit qu'un parano, c'est quelqu'un qui a toutes les infos. Je les ai pas toutes, mais putain, j'ai vraiment les boules. Je peux pas croire que des officiels exécutent des humanitaires étrangers. Est-ce que ça signifie pour l'évacuation ? Mais les faits, on peut pas ignorer les faits. Faut trouver le colonel. Vite. Sans éveiller les soupçons. Si j'arrive à envoyer un message, on pourra peut-être faire quelque chose. Sinon, que Dieu sauve Dubaï. D'accord. Donc, maintenant, les mecs ne tuent pas seulement des soldats ou des civils locaux, ils tuent également des gens qui viennent porter secours et des médecins, probablement. C'est ça l'étape suivante, Médecins Sans Frontières. On tue les petits gars. Grenade adhésive pleine. Ah oui, c'est vrai, je m'en sers pas, ça. Quand j'ai rejoué un chapitre, j'ai réussi à coller une grenade adhésive directement sur un mec. Il courait comme ça en essayant de l'arracher de son bide et il est mort. J'ai eu un succès pour ça. Et je me suis senti terriblement, terriblement méchant. Et sadique. On dirait une escarmouche. Mortel, si quelqu'un m'entend, ici Riggs. On s'est fait piéger par le 33ème. On a besoin d'aide ici, vite. Riggs ? Merde ! C'est Ghoul qui a prévenu le 33ème. C'est notre faute. Ah merde. Bon. Oui, on va secourir Riggs. Donc c'est bien, en tout cas ça prouve que je suis toujours ce qui se passe au niveau de l'histoire. Le 33ème, c'est toujours des méchants. Walker, prends le lance-roquette. Vraiment ? Allez. Va pour une attaque au lance-roquette. Ah oui, au moins comme ça je me barre du FAMAS. Enfin, j'arrête le FAMAS parce que c'est vraiment... Moi je veux bien ton lance-roquette, mais je tire où ? Ouais, mais faut que je tire sur quoi, là ? Lancez une flèche par ici ! Bah, sur toi, allez, pan. J'en ai un autre. Allô ? J'en ai un autre ! Super. Ah, j'en ai encore un. Bah, je sais pas.
On va essayer. Qui c'est qui m'a tiré dessus là? Vous? Vous êtes mort, monsieur. Voilà, très bien. J'aimerais bien récupérer une deuxième arme. Parce que j'avais laissé mon... Ah, il est là. Bien. Mais non, mais j'en veux pas de ça, et c'est vide. Bien. Alors, maintenant, on peut reprendre le cours traditionnel des opérations où je me cache et je tire. Des grenades. Merde, mais c'est qu'ils bougent vite, les cons. Bon, alors, oublie la grenade. Décède. Non mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous, vous avez toujours des cordes où vous descendez et c'est cool? Moi je descends jamais à la corde, je suis jaloux. Il est mort ou... Non, il est pas mort. Je crois pas que je l'ai eu. Pourquoi tu tires dans la voiture, toi? Ah! Bon, je vais peut-être bouger parce que là, du coup, il se passe pas grand-chose. Hé! Hey! Non, ça, c'est Adams. Donc, c'est un ennemi. L'ennemi derrière... Merde! Putain! Je me fais tirer dessus depuis tout à l'heure. Je ne réagis pas. Voilà. C'est pas grave, après tout. Je ne prends que des balles dans la gueule. Oh putain! D'accord. J'ai tiré un truc, sur un truc bleu et je sais pas si c'est un. Du coup, si c'est un militaire ou si c'est un civil. Ou alors si c'est la cible que j'essaye de protéger depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai tiré sur un truc dans la tête et il était bleu. Un peu comme là, Lugo. Donc j'espère qu'il est pas vraiment mort. Je vais te rejoindre, Lugo. Ok. Le 33e se replie. C'était le dernier. Ok, n'oublions pas de chercher l'info maintenant que tout s'est calmé. Hein. Ils vont revenir. Oui, mais tu sais très bien qu'en fait ils vont pas vraiment revenir. Et moi, je voudrais leur prendre des munitions parce que j'ai quasiment plus rien sur mon M4A1. Vous attendez quoi? Bon, ils ont rien. Et c'est un peu désolant. Là, il y a des trucs. Non, mais ta gueule, ça va, laisse-moi jouer. À la vitesse que je veux, tu saoules un peu aussi, toi. Bon, alors, oh tiens, un distributeur. Justement, j'avais besoin d'argent pour des trucs. Ah, ça y est, j'ai des munitions, très bien. Et du coup, bah, mon autre arme, je peux effectivement la remplacer. Alors, pas par un AK-47, parce que ça ressemble un peu trop au M4A1. L'UMP, ça ressemble à quoi, déjà? Ouais, écoute, on va prendre l'UMP, hein, c'est pas grave. Vous êtes où, les gars? Ah, vous êtes là. Capitaine Walker. Jeff Riggs, allez rentrer avant qu'un sniper vous fasse exploser le crâne. Y'a pas quoi.
Répétez ça. Vous avez peut-être pas remarqué, mais on vient de vous sauver la vie. Ce gosse est gonflé, capitaine. C'est le sergent Lugo, et je suis d'accord avec lui. Vraiment? Alors où est l'agent Gould? Il s'en est pas sorti. Vous pouvez pas sauver tout le monde, pas vrai? Maintenant, vous me devez une faveur. Les conneries de la CIA. Bon, vous voulez bien me laisser parler, gamin? Et un plan qui nous éviterait de buter d'autres soldats? Bien sûr qu'on a un plan. Allez, Riggs, c'est quoi votre plan? À environ 400 mètres se trouvent les réserves en eau de la ville. C'est là qu'on allait quand on s'est fait choper. Mon plan, capitaine, c'est de capturer l'eau pour paralyser ces salopards du 33e. Vous pensez vraiment que l'eau est la clé? On est dans le désert, sergent. Alors oui, l'eau est la clé de tout. Merde. Grenade! À couvert! Merde! Je vois plus rien! Restez baissés! J'ai un visuel. C'est Riggs? Non, c'est la Delta! Alors il est où, le vieux? Il est là. Sale fils de pute! Crevez! Vite, vous êtes en train de me ralentir. Vive là, les gars! Les tests psychologiques indiquent que John Conrad souffre sûrement d'une forme naissante du syndrome de stress post-traumatique suite à des opérations ratées en Afghanistan. Chez un individu accompli tel que Conrad, ce syndrome pourrait se manifester par une tendance égocentrique et un durcissement des convictions morales. Le plus inquiétant est que Conrad a été hissé au rang de plus grand dirigeant militaire depuis Patton. Conrad a intériorisé ses sentiments et qu'il constitue maintenant une composante cruciale de sa psyché. On pense que quand Conrad devra faire face à ses échecs en Afghanistan, il ne reculera devant rien pour renforcer une certaine croyance en sa réputation. Conrad se tournera vers l'extérieur pour expliquer ses échecs, tout en développant une paranoïa grandissante envers ses supérieurs. On ignore comment le mental fragilisé de Conrad pourrait réagir face à un énième fiasco public. Eh ben, ça explique effectivement la philosophie de cet homme. Ouh, on va se casser, hein? Ah, on est bloqué par là. Je sais que la bataille c'est dans l'autre sens, mais bon, celle-là j'ai pas très envie de la faire. C'est pas grave, je suppose que on me demande pas vraiment mon avis, alors allons-y. Oui, je viens de tirer sur mon pote. Je suis au courant. Bah, il est mort, ça y est. T'as fait le boulot toi-même. Ah non, il est pas mort. Ah si, ça y est, il est mort. Il a l'air sympa ce petit resto, je me demande ce qu'il y a dedans. Enfin, à part des balles. Ah, il y a des munitions. Ça, c'est agréable. Et sinon, à part ça, il n'y aurait pas une petite info, genre, je sais pas, moi, la recette du poulet tandoori. Comment ça, on n'a pas le temps? Ok, alors. Allô? Merci. Dans l'autre sens. Voyons voir ce qu'on peut faire. Oula, là, on a un truc. Non mais, décède! Merci! Il est pas très... pas très reconnaissant, le capitaine Riggs, hein. C'est pas l'homme que t'as le plus envie de sauver au monde, quoi. Merde! Comment t'es arrivé là, toi? T'as un grappin ou... Y a un truc que je sais pas sur toi? Ah non, c'est parce que c'est pas Lugo ou Adams, ça doit être Riggs. Je dois recharger! Eh bah vas-y, recharge! Attends.
Mais il est imbattable ce mec, c'est incroyable. Ah bah putain. Je vais changer d'arme un peu, voir ce que vaut le l'UMP. On dirait que c'est bon. Ok, quand vous serez prêts, retrouvez-moi dans la cuisine. C'est fou comme le mot cuisine, ça vient de niquer complètement la badassitude de la phrase de ce mec. Ah oui, c'est ça l'arme bizarre. Attends. Non, merde. Qu'est-ce que je viens de faire? Non, je veux le garder, mon M4A1. Voilà, même s'il n'y a que 4 balles dedans. Et là, il y a un saut, très bien. UMP45, non, je m'en fous. Ouais, par contre, il n'y a pas beaucoup de balles là-dedans. C'est dommage. Ah, j'ai cru que ça allait être une information. Un AK-47. Bah écoute, je vais garder le saut là parce que je m'en suis encore jamais servi. Si ça se trouve, enfin apparemment ça arrose bien hein, d'après ce que je vois quand on s'en sert contre moi. Donc bon voilà. Parce qu'il m'en manque toujours une hein, d'information. Ah bah non, j'en ai deux. Oh bon d'accord, bah alors j'arrête de chercher. Bah elle était où la première? Ah bah oui, dès le début du chapitre, oui. Bah non. Attends, c'est le chapitre d'avant. Oh, je ne sais plus. Enfin bref, tant pis. Venez, on n'a pas d'ordre à recevoir de la CIA, ok? Du calme, Lugo. Vous savez, c'est pas la CIA qui a lancé cette guerre. Ouais, et qui a fourni des armes aux civils? Les gens étaient prêts à se soulever. On leur a donné les outils. Pour qu'ils aillent se faire tuer. Pensez ce que vous voulez, sergent. Oui, oui, c'est bien ce que je compte faire, penser ce que je veux, et je suis d'accord avec Lugo. C'est un petit peu la mamia merda. Super. Ah non, d'accord, ok, la compagnie, elle vient de là. Voilà. Effectivement, ça arrose bien le seau. Et tu me diras, c'est un seau, c'est normal que ça arrose. Mais alors attends, du coup, il y a quoi par là? Oh, 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 oh. Ennemi à terre. Ça, c'est mes potes. Avoir trois potes, c'est compliqué parce que j'ai l'habitude de devoir toujours voir où sont mes deux amis. Et là, maintenant, j'en ai trois. Du coup, à chaque fois, j'ai envie de tirer sur l'un d'entre eux alors que bah, y a pas de raison, quoi. Alors ça dépend, il a combien de munitions ton W machin là? Il a toujours que 24 à chaque fois que j'arrive. Bon écoute, ça suffira. D'accord, ok, c'était gratuit. En avant. On y est, les gars. Le Colisée aquatique de Dubaï. Entre ces murs, d'après mes calculs, il y a environ 170 000 litres d'eau. C'est le cœur de Dubaï. Si on détruit le cœur, la bête meurt. Voilà, vous avez compris. Les gars vont débarquer près de la porte d'entrée. Ça va détourner l'attention du 33e pendant qu'on s'infiltre par l'arrière. Vous vous servez des civils comme un pain? Ils comprennent le sens du mot sacrifice. C'est fermé. Ils ont pris un piège. Qu'est-ce qu'on fait, Riggs? Retenez-les. Je vais ouvrir cette porte. Oh, c'est tellement classique. On a de plus gros problèmes. Ok. Ah
Ok, je vais peut-être changer d'arme parce que là il faut que ça arrose un peu plus. Bonjour, c'est le décès. Pardon, mais je suis un petit peu occupé, là, j'ai pas le temps de finir de t'exécuter. Ah. Ok, alors, d'où ça vient? Où ça va? Merci. Merci d'enfin mourir. Bien, alors le temps de se remettre un petit peu d'aplomb. Bah ils sont tous morts, non? Ah non, il y en a encore un là. Levez la tête, monsieur. Monsieur, levez la tête, s'il vous plaît. Que je puisse vous en coller une derrière la nuque. Oh putain, c'est pas vrai, tout la gueule. Voilà, merci. Il est mort? Non, mais il est pas mort. C'est vrai que t'arroses bien, Lugo, donc... Je suis un peu sous le feu de mes ennemis, là. Enfin, de mes amis, pardon. Micro 9 mm, AK-47. Waouh. Oh là. Hey, monsieur, dégagez d'ici, là. C'est quoi, ça? C'est-à-dire que c'est moi qui vous ai fait une attaque espace avant, là. Ah! Bien. D'autres volontaires? Pourquoi tu continues de tirer? Il y en a encore? Ah oui, il y a un truc qui bouge là-bas, effectivement. J'avoue. J'en ai un autre. Eh ben, ah bah, tu vois, c'était toi qu'il fallait tuer pour que la porte s'ouvre. Félicitations. Ok, je recharge. Je reprends des munitions. Vous savez à quel point ça gaspille des munitions de devoir attendre que vous ouvriez une porte? Attends, tu crois que ça se fait comme ça, toi? T'es militaire, hein, je te rappelle quand même un petit peu. Il y a un parking en bas de l'escalier. Derrière vous! Oh! Putain, merde! Oh. D'accord. On contemple l'efficacité brutale à l'œuvre. C'est toujours le même chapitre, ça? Oui. Attendez. Il y a un truc bizarre. Et c'est quoi? On n'est pas seul. Ça sent la demeure. Ouais. Attention, l'ennemi se déplace. En mouvement. On tire dessus. Non, pas de ce côté-là. Voilà, bon, Adams m'a piqué mon spot, mais... Ouais, je suis d'accord, j'arrive. C'est pas mal, par contre on voit plus rien là. Suis mon mouvement.
alors. T'es quoi, toi? T'es Adams, d'accord. Et toi, je sais pas comment on va t'avoir, hein, parce que t'es bien barricadé, là. Voilà. Très bien. Alors, AK-47, m'en fous. Ah, attends, le calme quand cette musique du stress s'arrête, là. Un saut. Allez, on va prendre un saut. Allons-y, va pour le saut. Je crois que c'est bon. Allez, on y est presque. Sécurisez les camions. Moi, je vais rassembler mes hommes. On se voit à l'intérieur. Et par là, il y avait quoi? Une porte. Ok, très bien. Sécuriser les camions. Oh non, c'est encore une énigme. Enfin, une séance de stall. J'ai pas confiance. Non, moi non plus. Pareil. Réfléchissez à ce que vous faites, capitaine. Sans eau, tous les habitants de cette ville mourront. Y compris vos hommes. Riggs n'est pas là pour sauver des vies. Il est là pour enfouir la vérité avec les cadavres. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Aïe. J'ai essayé de sauter une bordure où il y avait des barbelés. Et c'est toujours le même chapitre? C'est toujours le même chapitre. Inéda, vous me recevez? Oui, chef. Les insurgés se rassemblent devant l'entrée. Restez en arrière et ouvrez l'œil. On s'en charge. Bien sûr. Ils savent pas qu'on est là. Éliminez ces salauds. J'ai rien avec un silencieux? Si. Tentons de faire ça de manière pro. Voilà. Ça, c'est la manière pro. Voilà. Voilà. Scout Tactical. Ah, c'est un sniper. Allez, file-moi ça. C'est un peu vide, là. Vous êtes sûr que... il y a danger? Normalement, je dirais oui, mais là... Oh là. Alors, on va changer quand même, on va reprendre le M4A1. J'ai mis le silencieux. Non, là je l'ai enlevé, là je l'ai mis. Et... voilà. Je veux dire, à part ça, il n'y a pas grand chose à faire. Ah merde! Oula, 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 putain! Cache-toi! Bah vas-y, enlève le silencieux là, tant qu'à faire. Hein. Walker, s'il te plaît, enlève le silencieux. Mais non, mais... ah! Pourquoi il te faut 3 heures pour enlever un truc pareil? C'est un silencieux, mec. Alors là, si ça ne lag pas, je sais pas ce que ça fait. On est à 5 images par seconde, le jeu ne sait plus quoi calculer, il y a beaucoup trop de trucs, il a perdu la foi. Bon. Descendons voir ce qui se passe. Un ennemi avec fusil à pompe. Eh ben, pour changer. Putain, un mec avec un couteau. Oh là là. Merde. Bon, Lugo, je suis désolé, mais tu devras faire sans moi, hein. Je suis déjà trop occupé à sauver mon cul.
Ok. Alors, je vais me rapprocher de toi, j'arrive. Très bien. Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! Oh, merde, hein ! Ok, alors... Pour l'instant, l'ennemi se déplace gentiment. Oh, ça c'est sympa ça. Ah, mes munitions sont pleines. Bon, je vais pas faire ça pour 20 munitions. On va attendre un peu. Ouais, en fait non, parce que je reviendrai pas là. Donc vas-y, file-moi mes munitions. Ça c'est Adam, c'est ça c'est Lugo, très bien. Ok. Vas-y, tu vas pas me faire chier longtemps toi. T'as pas envie de te cacher là soudainement. Mais cache-toi, connard! Putain, t'es devant une caisse et j'appuie sur le bouton pour que tu te caches, alors cache-toi! C'est un jeu avec cover system! Oh là là! Je veux pas de grenade flash. Des munitions, j'en veux bien. J'ai dit des munitions, j'en veux bien. Merci. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là! Mais cache-toi! 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 Voilà! C'est bien! Tu as fait ce que je t'ai demandé! C'est incroyable! Vous remarquerez que je deviens légèrement irritable lorsque je suis stressé. J'ai peur qu'on approche de la fin du jeu déjà, parce que très honnêtement, ça ressemble à une mission de fin de jeu. Hein. Voilà. Cible avec baïonnette, ce qui est bien, c'est qu'il arrive avec un t-shirt, donc forcément, c'est plus facile de le tuer. Allez, vas-y, cours. Oui, j'ai compris l'idée, oui. Ah, qu'est-ce que je fais là? Oh, ça dit, c'est pas forcément trop mal. C'est quoi ça? Les munitions sont pleines, d'accord. Très bien.
On y est presque. Vas-y, quitte. Allez. Mais pourquoi tu marches? Enfin. Bon, ça, si je tire dedans, ça explose. Ok, on va prendre des camions. Oh, oh, oh. Bon, arrête-toi, déjà. Je ne suis pas mort et c'est incroyable. C'est quoi mon objectif? Sécuriser les camions, ouais, d'accord. Qu'on se mange une séquence de conduite de véhicule, et alors là par contre j'aurais pas été content. Ah, moi je tue pas les civils parce qu'ils protègent l'eau, hein. Bon, à rail shooting, ça devrait aller. Wouah, c'est le bordel. Aïe, 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 aïe. Ouais, en fait, j'ai même pas besoin d'être précis, quoi. Faut juste que... Faut juste que je tire, c'est tout. Ce truc a un tel... Aïe, 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 d'où ça sort, putain. Eh ben putain! Super! Oh, si je tire là, il y a deux morts, quoi. Hummer sur la droite, oui, je le vois. Oh non! Merde, chiotte. Oh là 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 là, maintenant il y a un hélicoptère, c'est génial. Là par contre, mon ordinateur commence à plus pouvoir calculer tout ce qui se passe, donc je ne sais pas. Voilà. Je suis mort, je ne comprends plus ce qui se passe, là il se passe trop de trucs d'un coup à la fois là. Autant je veux bien faire des efforts, mais là vraiment c'est un petit peu trop d'un coup.
et c'est là que ça commence à devenir la méga merde. Mais monsieur, vous êtes censé être mort là. Ah oui, il y a déjà le... Vas-y, tuez-le, parce que moi j'ai trop de lag, je peux pas viser. Ouais. Oh, chiotte, j'ai tué l'hélico, mais pas la Jeep. Non, mais quand il y a les camions, plus la Jeep, plus l'hélico, plus le calcul du sable et tout ça, mon ordinateur, il est mort, il est décédé. Et je pense que là, il va falloir que je lui fasse du bouche à bouche après le... Après l'épisode, parce que c'est juste pas possible, quoi. Ça fait trop cracher son calcul. C'est même étonnant qu'ils soient encore vivants, là. C'est là que ça va devenir moins drôle. Oh bah oui, voilà, ça c'est simple en fait. Ah, je m'occupe du MV. Ouais, c'est passé. Ouah. Et voilà. Ouais, il a détruit l'eau pour pas qu'on parte avec. Cela dit, ça ne le met pas moins dans la merde. Ça veut dire que bah nous aussi on l'est quoi, mais on a toujours été dans la merde donc. Dans 4 jours, cette ville commencera à mourir de soif, comme Riggs le voulait. Ce sera de votre faute, Walker. Votre faute, pas la mienne. Ah oui. C'est un peu nous qui voulions nous barrer avec l'eau. Mesdames et messieurs, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Stop. Voilà la deuxième ronde de gants. Ils ont fait exploser les loups. Ok, je vais peut-être essayer de revenir en forme, et puis après on arrête l'épisode. Ah, qu'est-ce que je fais? T'es presque mort. C'est ça, c'est à toi que je parle. Allez, fous-moi le camp d'ici. Ouais, vous savez quoi, on fera ça la prochaine fois en fait. Merci d'avoir regardé cet épisode. Salut à tous, à la fois prochaine. Ciao.